J'ai ma petite Vimid à sortir là, non? Kianamide, Nidalee Jungle, Time Can Stop, c'est le plus probable. J'espère que cette game se lance, hein. Elle est tellement bien pour nous, ils ont aucun champion pour bouffer. Il y a que Tamkench qui peut sauver quelqu'un de l'ulti Karthus à la limite. Oui, j'aurai un platine et un diamant, ouais, c'est bon. C'est quoi ces Smurfs à compte là? Donc que des Smurfs à compte au bout d'un moment, c'est bizarre, non? Laissez-moi jouer ma game tranquille. Après, le mec ne connaît pas Vimid. Ah, c'est un cringeur là! Putain de série coffre de merde. Je te fume le cul. Ah ouais! Vraiment un cringeur à faire ça. Tu es vraiment coincé, frérot. Un peu dommage. Il avait pas besoin de commit comme ça. S'il garde le polymorphe pour moi, je peux rien faire. Hein. Si notre support ne bouge pas aussi. Oh, le niveau dieu. Ouf. Faut voir pourquoi Veigar V2 reste que sur les champions non mécaniques. Hein. La game devrait être free. Hein. Le Trundle est en train de run down. Mais tout le monde run down! Qu'est-ce qui se passe? Chill! Je ne peux pas rien faire dans la game. En plus, Serikov est tout le temps mid, donc je ne peux même pas. Ah, mais y'a pas que Serikov qui est tout le temps mid, hein. Libérez-moi. Un game de vie. Je peux pas jouer bot. Use fog. Alors, c'est pour le Q. Il a réussi à trade kill, c'est pas si mal. Hein. Même si bon, il donne un kill de plus à Qiyana qui peut solo win la game. C'est pas si mal. Elle va avoir Eclipse avant moi la Qiyana. Et si elle a Eclipse avant moi, elle me bat en 1v1. C'est pas très drôle pour moi ça. Je suis en 2-0 et 15 CS d'avance, mais elle a 4 kills quoi. Ah mais c'est un fanboy, c'est pas possible. Le mec il a mis plus de Spear en mid lane qu'il en a mis sur ses camps. Genre. Eclipse. L'Eclipse fait peur. Et mon R dans 13 secondes, c'est juste ça le problème, je peux pas dive mid bot. Et une Lulu en plus. Je crois qu'il y a un problème. Mon combo face au sien est pas le bon. J'ai atteint le seuil du one shot possible. Il y a les roll play. J'aurais pu mettre le E sur la tourelle, mais c'était tellement greedy. Double globo for the win. C'est vraiment un fanboy ce mec, c'est vraiment un fanboy, c'est une dinguerie. Est-ce que je fais des tabis, des lucidités ou des swiftness? C'est juste que t'es trop mignon, c'est une petite rien s'il veut tes fesses. Non mais frérot, c'est du harcèlement. Il m'envoie des spires depuis le début de la game. Par contre on va perdre la tourelle là. Ouais, ouais, je peux plus défendre face à ça. Elle a trop d'avance. Regardez. Akiana, elle fait mal, hein. Elle a plus d'items que moi. Heureusement, je joue un champion équilibré, qui permet des push en deux clous. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. J'ai perdu le canon. Vous pouvez le mettre. Point d'exclamation canon, c'est bon, je le mets.
Vous savez combien de pourcentage de winrate elle a la Qiyana sur son champion et sur toutes ses games? Au pourcent près. 91%. Voilà. Écrit là-tu? Non. Ah oui. Nice try. Je zone, deux personnes à moi tout seul, c'est pas si mal. Elle a pas touché une spire de la game, je le dis hein, mais elle a pas touché une spire de la game sur moi par level 1 sur les 4 spires qu'elle a envoyé. Par contre la game elle est divine là, sur Vimid. Le mec à fond est vraiment bon, vraiment vraiment bon, sur Qiyana. Je le reconnais parce que ça a les mêmes mécaniques que Nuclear et compagnie quand il joue Qiyana, c'est pas explicable. Il connaît son champion. Il me ping frérot, j'ai pas envie de perdre cette tourelle mid. Peut-être obligé de flash parce qu'il y en a derrière moi. Ah je vais défendre. Pas de mana, pas de moi. Oh les mecs ils ont tellement pas de mental. Ma Qiyana va avoir un spike de fou. Imagine une méta où les mid laners les plus forts c'est les mages, imagine. Ah bah c'est une méta où j'aimerais bien jouer au jeu. Mais j'ai pas vraiment le choix. C'est Vimid. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Krizu dans mon chat. Peut-être parce qu'il a gagné des LP et qu'il ressentait plus le besoin de regarder mon stream. Non, mon stuff est celui du Aatrox. Oh mama. Il veille hein. Je regarde pas plaisir vu ton niveau, immo personne. Allez Ekrizio, palmarès de la vie, a raté le bac, n'a même pas eu son brevet, n'a pas de copine, est toujours puceau à 28 ans, et est un tweetos sur Twitter. J'ai besoin de le préciser parce que les tweetos ils savent pas ce que c'est que un tweetos. Quelqu'un veut rajouter une ligne à son palmarès? Ah oui, moi je peux en rajouter une. Un YouTube wiki où il se fait diffamer purement et simplement par ses potes. Si quelqu'un veut rajouter une ligne, qu'il n'hésite absolument pas. Bon, les râles ne servira à rien, il ne chargera même pas. Je sais pas ce qu'elle fait la Nidale rundown, hein, c'est sûr. Même vers Kaito l'infini. Oui, Kaito là. Parfait. Mon but, bloquer la Nidale, mais j'ai mis le gold à ma gueule. Vimid. Non! Je perds la game parce que j'ai misclick la vente de l'item. Ce stream va se couper très très fast. Oh putain, j'étais en mode ouais, trop bien. Ils ont rajouté le bouton unbuy. Enfin, je sais même pas c'est quoi le bouton. C'est quoi? C'est undo là. Et mon personnage est parti en Turquie. Il a fait un aller-retour. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas cliqué là-bas. Ah ouais, c'est catastrophique. J'ai perdu 2000 gold, je sais pas. Bah alors bouffon. Oh mon dieu. J'ai tout perdu dans ma vie. J'ai perdu mes golds.
Pas de problème. Pas de problème avec ma Vimid. Pas de problème. Bon, je peux pas le tuer lui. Challenge de la Cynida, lancer des spires et ne toucher personne. Pour l'instant, elle y arrive bien. On n'est plus de mana. Hein. Petite vie qui met des auto-attaques. Oh non, elle a touché. C'est dramatique. Mais cette game est clean. Clean. Hop, le Nexus en plus. Guide Vimid when. Guys, guide Vimid when. Vous pouvez demander, je comprendrai. Mon secret sur Vimid, c'est dès que tu peux Q forward et tu te bats et ça marche pas, bon bah, c'est la vie. Mon Liquidien a explosé, il ne peut pas. En fait, il ne comprend pas à quel rôle j'ai joué cette game. Il ne comprend pas. Plus 20. Mais oui. Plus 20, je connais le plus 20. Bon, j'ai pas beaucoup de dégâts, mais franchement, c'est pas les dégâts qui comptent avec Vimid. C'est le score final. Je suis Sardoche, 0904 pixels. La Qiyana, vous savez combien de... Vous voulez voir la Qiyana? Son OPGG, son machin là, vous voulez voir? Regardez-moi ça, 91% winrate sur 32 games joués. Bon, c'est un platine 1, mais c'est sûrement un DK à compte ou un Smurf à compte. OTP Qiyana, 87,9% winrate. Moi je vous dis, ce mec, dans une semaine, j'aime Tchal. Sans aucune hésitation, même Tchal, je dirais même. Il est bon, il est très bon. Mais bon, il a rencontré la vie de le Shriek. Rien à faire. Ouais. Je pète peut-être un peu plus haut que mon cul avec ma vieille Vimid. Ouais, c'est RT alors. Qui va m'arrêter? Personne dans cette game.